Jupiter aujourd'hui qui démarre. Sagittaire, l'enfant intérieur. Je vis à travers toi. Il faut retrouver votre enfant intérieur, Sagittaire, et vos vraies envies aujourd'hui. Capricorne, le spirituel éther. Subtil, oui, mais bien réel. Vous aussi, vous êtes un signe de terre dans la réalité, hein? Et bien, la subtilité sera avec vous aujourd'hui. Verseau, l'homme divin. Je peux compter sur moi. Bravo, hein, mes Verseaux. Allez, poisson. Les blessures, elles sont là, même si je ne les vois pas. Et oui, il faudra faire avec aujourd'hui, ami poisson. Bélier, l'archétype du père. J'œuvre dans l'inconnu, plein de courage et de panache. Je ne sais pas si c'est pas vous qui l'aviez déjà eu cette carte. Je ne me souviens pas. Taureau, l'ancrage terre. Je me reconnecte à ma vie. Allez, retrouvez-vous, ami taureau. Gémeaux, la lumière sud, bien plus qu'une simple étincelle. Un grand feu de passion pour vous aujourd'hui. Cancer, l'harmonie. Dans toutes les directions, je suis en paix. Et bien après vous être beaucoup centré sur vous-même, ah ouf, ouvrez-vous à toutes les directions. Lion, les récoltes, ouest, je me connecte à l'abondance de la vie. C'est chouette lorsque le temps des récoltes arrive, quand on a bien travaillé. Vierge, l'amour de soi. Il suffit de presque rien, mais uniquement de moi. À vous de vous centrer un peu sur vous-même, ami Vierge. Balance, le mental erre. Aujourd'hui, Balance, c'est vous qui transmettez les messages. En bon équilibre. Hein? Scorpion, l'alignement, en cohérence, en présence et parfaitement relié. Ça va vous faire du bien, Scorpion, qui êtes souvent assez angoissé. Le signe chanceux du jour, les Scorpions, je crois que ça fait deux fois d'affilée, en cohérence, en présence et parfaitement relié, on sera tous alignés aujourd'hui, remarquez, c'est bien, parce qu'on est à la veille de la pleine lune des grains, c'est demain. Belle journée les amis.